La dernière fois qu'il est apparu en public, c'était lors de cet entretien diffusé par la télévision iranienne, dans lequel Qassem Soleimani raconte l'une de ses guerres au Liban en 2006. Sentinelle de l'Iran, maître espion de la République islamique, ce haut commandant âgé de 62 ans a vécu avec la guerre pendant près de 40 ans. La première fois qu'il la rencontre, il est âgé de 22 ans. Nous sommes en 1979, c'est le début de la révolution en Iran. Ce fils de paysan passionné de culturisme troque alors ses pantalons d'ouvrier pour un treillis militaire. Il rejoint le rang des Pasdaran, le corps des gardiens de la révolution, dont il prendra la tête 20 ans plus tard. Les gardiens de la révolution ont annoncé que le général honoré de l'islam, Qassem Soleimani, est mort en martyr ce matin après des années de lutte pour l'islam. De l'Irak au Liban en passant par la Syrie, partout le général a imposé la puissance iranienne. Longtemps commandant de l'ombre, il prend la direction de la force Al-Quds entre fin 97 et début 98, après la prise de pouvoir des insurgés islamistes à Kaboul. Tacticien pragmatique, il s'allie aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001 pour renverser les talibans. Une collaboration de courte durée, mais qui fait sa réputation de stratège à Washington. Conseiller de Bachar el-Assad, artisan de l'intervention militaire russe en Syrie, ou encore acteur clé dans la formation du futur gouvernement en Irak, Qassem Soleimani est en ligne directe avec l'ayatollah Khamenei. En septembre 2016, alors que la rumeur d'une candidature à l'élection présidentielle enfle, le héros national nie toute ambition politique. Dans un communiqué, il affirme qu'il restera un soldat jusqu'à la fin de sa vie.